Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors non, j'arrête pas les vidéos sur YouTube et même si ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne, c'est juste que j'ai changé de logement, j'ai eu pas mal de travaux à faire, j'étais en squat à droite et à gauche. Mais maintenant c'est bon, mon bureau est presque monté, mon stuff presque déballé, et du coup je vais pouvoir commencer à vous ressortir des vidéos sur la chaîne. Donc voilà pour tous ceux qui me posaient la question. Alors au niveau des news, je vais commencer par la mauvaise nouvelle, le XIM 4 n'est plus en production, ce qui veut dire que si vous vouliez absolument en acheter un, ben les gars, foncez l'acheter car n'étant plus en production, une fois les stocks écoulés, il n'y en aura plus en fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des ruptures de stock par-ci par-là et que les prix se sont envolés ces derniers mois. En ce qui concerne la bonne nouvelle par contre, et vous l'avez certainement déjà vu et entendu sur le groupe Facebook, sur les forums, etc. etc. mais bon, je voulais quand même faire une vidéo d'annonce pour cette superbe nouvelle. Le XIM 4 n'est plus produit tout simplement car l'équipe de développement est en train de travailler sur un nouveau produit, le XIM Apex. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le 2 janvier 2018, il y a un administrateur du forum XIM 4 qui a sorti un post-blog de nouvelle année en annonçant le XIM Apex. Alors qu'est-ce qu'on y apprend? Le gars il dit que le XIM 4 il a atteint un niveau pas prévu en le plaçant comme un standard pour les périphériques clavier de souris sur console, mais qui recherchent toujours à améliorer les performances de leurs périphériques. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même une référence dans le domaine, hein. L'expérience avec un XIM 4 c'est quand même très proche d'une expérience de jeu sur PC au clavier et à la souris. Et là, il nous dit que le XIM Apex, ça va être tout simplement le top des adaptateurs clavier-souris sur console. C'est le résultat d'une décennie de recherche, d'ingénierie, d'innovation et de retour client. Et ça va être tout simplement le digne héritier du XIM 4. On y apprend ensuite quelques petites nouvelles caractéristiques assez intéressantes. Un temps de réponse réduit à 1 milliseconde. On peut du coup s'attendre à quelque chose d'encore plus réactif qu'avec le XIM 4. Il y a quelques vidéos d'ailleurs d'alpha testeurs qui traînent un peu sur YouTube et je vous mettrai tous les liens en description. Fini les câbles entre la console et l'adaptateur, on apprend qu'on n'aura plus un mais bien deux boîtiers, un dongle plus un hub USB. On va juste brancher notre manette, notre souris et notre clavier au hub USB fourni et le hub sur la clé USB qui elle viendra se mettre directement sur le port USB de la console. Et ce sera pas plus compliqué que ça en fait. On aura enfin une prise en charge du casque filaire de la PS4, une customisation complète des axes du joystick, la possibilité de jouer avec des périphériques sans fil et même des Joy-Con Switch d'après les dires de l'administrateur. Pourquoi pas. La configuration des périphériques devrait être plus facile avec la prise en charge du français, même si pour le moment dans l'application il n'y a rien qui me semble être en français, donc à voir dans le temps. Et il y aura d'ailleurs un mode débutant pour configurer le tout. Une nouvelle application smartphone est donc sortie, elle s'appelle XIM Apex Manager. Elle ressemble un peu à l'ancienne malgré quelques changements esthétiques et l'implémentation de quelques aides par-ci par-là et notamment des liens de redirection vers le forum pour trouver les configs optimales à régler dans les jeux directement dans l'application mobile. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et d'ailleurs vous pouvez déjà télécharger les applications sur vos stores Android et iOS pour ceux qui souhaiteraient essayer d'y trouver des nouveaux indices. On apprend enfin qu'ils ont complètement revu leur process de conception pour éviter les ruptures de stock et réduire le prix au maximum. J'ai vraiment hâte de voir à quel prix il sera vendu. D'après quelques bruits de couloir, notamment chez les alpha testeurs, on partirait sur un prix d'environ 99 $. Du coup, c'est un peu plus cher en euros chez nous, mais si ça se confirme, ça serait moins cher qu'un XIM 4 aujourd'hui. Et ça, vraiment, ça serait une superbe nouvelle. À prendre tout de même avec des pincettes au jour où je vous parle. Moi, perso, je partirais sur un 120 ou 150 €. Je prends pas trop de risques. Ce XIM Apex est censé sortir entre janvier et fin mars. Je vous tiendrai informé dès que j'en saurai un peu plus sur la date de sortie, bien entendu. Mais les développeurs aimeraient une sortie pas plus tard que février. Donc voilà, ça devrait arriver quand même relativement vite. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site Stealth Gamer. Il est annoncé à 200 €, mais le prix sera bien sûr ajusté, pas de panique, une fois l'annonce officielle faite. Ça vous permettra au moins de réserver le XIM Apex parce qu'à mon avis, ça risque quand même d'être un gros succès. Alors là, vous devez tous vous dire, ouais, mais attends, c'est chiant, je viens juste de l'acheter ou moi je l'ai reçu pour Noël, c'est déjà obsolète. Alors pas tout à fait en fait, parce que le XIM 4, déjà, ça reste un très bon produit et en plus, ça continuera à être mis à jour en même temps que le XIM Apex. Donc vraiment, vous faites pas de soucis de ce côté-là, c'est juste le boîtier qui sera plus produit. Donc franchement, pas de panique pour tous ceux qui ont un XIM 4, vous continuerez à avoir des mises à jour et le produit continuera à être fonctionnel. Donc voilà pour la news clavier souris. En ce qui concerne la chaîne YouTube, j'aimerais pour cette année 2018 un peu augmenter la cadence de vidéos sur la chaîne. Et c'est pourquoi nous allons maintenant être deux à proposer du contenu sur la chaîne. Alors pas de panique, tout reste pareil, c'est juste que mon compère de jeu avec qui je fais des fois des lives, il va maintenant proposer certaines vidéos de test ou gameplay sur la chaîne, des lives, etc. Et à deux, on va donc pouvoir étendre un peu la gamme de produits testés et augmenter la cadence des sorties. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des jeux à jouer en live ou des envies de tests produits pour cette prochaine année. Vraiment, mettez tout ça en commentaire. Et j'espère que vous lui réserverez en tout cas un accueil chaleureux. Je peux déjà vous dire qu'il vous réserve prochainement un nouveau test de périphérique clavier-souris sur console. Je veux aussi en profiter pour vous souhaiter à tous un excellent début d'année 2018. Merci encore pour cette dernière année, pour vos commentaires, vos questions, votre participation sur les réseaux et notamment sur le groupe Facebook qui a dépassé les 500 membres. Bon, franchement, c'est vraiment cool, je suis vraiment content. Merci à tous ceux qui participent et qui répondent aux questions. C'est vraiment un plus pour la communauté. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! C'est avec 100% des PGM, clique ou tape avec leur petit doigt sur le bouton au milieu de votre écran. Ça permet de s'abonner à la chaîne et ça permet surtout de faire une bonne action, car un abonnement en plus, c'est égal à un abonnement en plus en fait. C'est juste super sympa. Allez, merci hein.